ceux qui ont pu approcher et poser leur regard sur ce paquebot de poussière vous diront leur émotion. Il est posé là par 3800 mètres de fond, enraciné dans les sédiments comme dans la mémoire des hommes depuis 86 ans. Le monde entier le connaît sous le nom de Titanic. Ce jour-là, à Southampton, ils sont des milliers massés sur les quais, venus assister au départ vers les États-Unis du plus beau bateau du monde, le symbole de la grandeur de l'Angleterre. Ont embarqué sur le Titanic, dont près de 900 membres d'équipage, aux ordres du capitaine Smith, dont c'est la dernière traversée avant la retraite. Qu'ils soient milliardaires en première classe ou modestes émigrants en troisième, tous s'apprêtent à vivre quelques jours de rêve. Les opérateurs radio submergés de télégrammes personnels négligent les messages de bateaux signalant la présence d'icebergs. Et à 23h40, ce 14 avril 1912... Iceberg, droit devant! Larguez les canons! L'eau est glacée, il n'y a pas assez de canons pour tout le monde. La moitié des gens vont mourir. L'agonie du Titanic et de ses passagers va durer 2h40. 705 personnes trouveront place sur les chaloupes, 1500 autres vont mourir. Aujourd'hui, ces tonnes de ferraille rongées par le temps, ce géant dérisoire est un sanctuaire. Il est peut-être là pour rappeler qu'une nuit d'avril 1912, 1500 hommes, femmes et enfants sont morts, victimes d'un crime d'orgueil, naufragés d'un bateau insubmersible. Comme s'il visitait un cimetière, recueilli, James Cameron s'est approché de cette épave. Ce jour-là, dans un petit sous-marin russe, son film était né. Le fait de voir l'épave au fond de l'océan a suscité chez nous, enfin, du moins en ce qui me concerne, la certitude que tout le reste du film devait présenter le même degré d'authenticité. Bonsoir. James Cameron a tenu parole. Comme tous ceux qui ont plongé sur l'épave, il a depuis été habité par la tragédie de ce paquebot qui n'a navigué que 4 jours, mais dont la légende a traversé le siècle. Dans le court mélange d'extraits du film de Cameron et de documents d'époque que vous venez de voir, vous avez déjà un aperçu de son souci d'exactitude et d'authenticité. Oui, le Titanic du film a été reconstruit aux mêmes dimensions, ou presque, le Titanic de 1912. Oui, le capitaine Smith est mort à la barre. Oui, on s'est battu, on a piétiné les plus faibles pour prendre place dans les canaux de sauvetage trop peu nombreux pour accueillir tous les passagers. Oui, Cameron a plongé sur les et l'a filmé. Oui, tout ce que vous avez vu dans le film est vrai, à quelques exceptions près. Nous vous les montrerons, ces exceptions, comme nous soulignerons ce qui relève du mythe ou de la réalité avec les documents préparés et commentés par Bernard Nicolas. Car Cameron n'a pas tout dit, et même si son film, qui dure 3h15, est le moins ennuyeux de l'année, il a dû faire des impasses. Partout dans le monde, le Titanic bat tous les records de spectateurs. On fait la queue à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Carcassonne, à Perpignan, à Londres, à Pau, Tokyo, New York, Berlin et Milan. Et partout, on se pose, on nous pose les mêmes questions. Alors pour y répondre, nous avons en quelque sorte disséqué le film. Comment ? Eh bien, en juxtaposant les extraits du film de Cameron et que la Fox nous a autorisé à diffuser avec des documents d'époque et les dernières images inédites de l'épave du Titanic sur laquelle Sylvain Pascoe a plongé 3 fois. Bien sûr, un historien, des rescapés, 2 femmes notamment, témoigneront sur les 705 survivants de cette tragédie. Il en reste 6 encore en vie, mais assez parlé, les images. And action. Habité par ces personnages, James Cameron se multiplie au cours du tournage. Titanic, c'est d'abord la passion de cet homme pour une histoire et pour celles et ceux qui la nourrissent.
À la liste des passagers du bateau mythique, il a ajouté Rose et Jack. Elle, riche, lui, sans le sou, ils vont pourtant s'aimer. Ils sont si vrais qu'on se demande s'ils ont réellement existé. Peut-être, mais enfin, disons qu'il n'y en a aucune trace dans les archives, dans les sources dont on dispose sur le Titanic. Est-ce que cette histoire d'amour entre une passagère de première classe et un passager de troisième classe est, à votre avis, plausible? A priori, ça semblerait impossible. Mais compte tenu du niveau intellectuel du garçon, qui est visiblement un garçon d'avenir, de qualité, ça ne semble pas impossible. Et compte tenu de leur âge aussi, ça peut très bien arriver. Ce qu'il me faut ici. Je trouve que ce garçon s'intègre parfaitement dans un milieu qui n'est pas le sien ou qui n'est pas encore le sien. Les premières classes ne font aucune difficulté pour l'accueillir parmi eux, tout au moins pour le remercier. Et finalement, il participe à un déjeuner, il est tout à fait à son aise. Champagne en si bonne compagnie. C'est à Rosarita Beach, au Mexique, sur 16 hectares, que le tournage de Titanic a eu lieu. À elle seule, la réplique de Titanic, une maquette de 230 mètres de long, à peine plus petite que le vrai bateau, mobilisera 500 ouvriers pendant 3 mois. Vous savez, il nous a fallu longtemps pour nous habituer aux dimensions de ce sacré navire. Il était gigantesque, 268 mètres de long, 60 000 tonnes d'acier. Bon, depuis, on a construit des bateaux plus gros, mais à l'époque, c'était le plus grand navire de tous les temps. En 1909, à Queensland, près de Belfast, l'Olympique et le Titanic, construits simultanément, mesurent 270 mètres pour 45 000 tonnes. Une garantie de sécurité sur ces deux paquebots, 15 cloisons et 16 compartiments avec commande électrique pour les portes étanches. Les machines à vapeur sont alimentées par d'énormes chaudières. Dans ces soutes, le paquebot emporte 7000 tonnes de charbon. James Cameron reconstituera une partie de la machinerie du Titanic. Il utilisera un immense miroir pour en restituer l'énormité, une illusion parfaite, insoupçonnable. Le spectateur embarque à bord d'un Titanic flambant neuf, la décoration intérieure du paquebot a été entièrement reconstituée. On y retrouve tous les styles, Louis XV, Louis XVI ou Empire, en passant par le style anglais. Les boiseries en teck, le mobilier sont identiques à ceux qui ornaient les suites des plus riches ou les cabines des troisième classe, jusqu'à la grande descente réservée aux premières classes avec sa rampe et ses panneaux de bois sculptés. Il y a eu un souci de restitution étonnant avec les figurants. Il les a obligés à apprendre à marcher. Comment on marchait en 1912, ce qui n'est pas exactement la même façon qu'aujourd'hui. Comment se tenir à table, prendre son verre, prendre une fourchette, se faire servir, etc. Non, là, il y a un effort de restitution qui est étonnant. Les moquettes sur lesquelles se déplacent les personnages ont été tissées à l'endroit même où ont été fabriqués les tapis du Titanic. Même minutie dans la recherche des costumes, les tissus, les coupes, les chapeaux sont rigoureusement identiques à ceux que portaient les élégantes du début du siècle. Reconstituer un naufrage lorsqu'on fait du cinéma, il est indispensable de maîtriser l'eau. James Cameron, lui, a dû composer avec 65 millions de litres d'eau. Certaines scènes où l'eau devait envahir avec une violence inouïe les coursives, les salons ou l'escalier monumental des premières classes ont exigé des heures de calcul. Pour les techniciens et les comédiens, le tournage dans l'eau a été extrêmement pénible. Oh,
a été répété jusqu'au mouvement des figurants engoncés dans leurs gilets de sauvetage ou les sauts des cascadeurs. Héros du film, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont vécu des journées entières dans une eau à 18 degrés. Pour beaucoup de scènes aquatiques, ça a été très difficile, parce que je suis très sensible au changement de température. L'eau était tellement froide, je tenais cette EEH dans la main droite, mes pieds ne touchaient pas le fond. J'avais de l'eau jusque là, il fallait que je m'accroche à cette conduite et que j'avance aussi rapidement que possible. Je ne pouvais pas y aller, mais je ne pouvais pas me permettre un caprice ou dire ah non, je ne veux pas y aller, il fallait que j'y aille et que je le fasse et je l'ai fait. D'ailleurs, j'en reviens pas. Autre défi pour Cameron et son équipe, offrir l'image du plus beau paquebot du monde, majestueux, sur l'eau. L'image virtuelle générée par ordinateur viendra à son secours, le résultat est saisissant. Dans cette séquence, tout est virtuel. Le bateau, l'eau et les personnages animés sont mis en scène par images de synthèse. Le Titanic est l'univers du film, il fallait donc qu'il soit réel. Il fallait le filmer comme s'il avait été à Maria Long Beach et que nous avions pu effectivement l'emmener faire un tour en mer, filmer sur le pont, depuis des hélicoptères, trouver des angles intéressants. Les mouvements des cascadeurs pour la séquence finale du naufrage ont été inlassablement répétés sur la poupe du Titanic montée sur vérin hydraulique. Cascadeurs et figurants créés par ordinateur compléteront l'image de cette scène. Et quand le bateau s'enfonce inexorablement, c'est en réalité Cameron, juché sur une grue de 60 mètres, qui filme en s'élevant 30 mètres au-dessus du bateau. Des effets spéciaux et des trouvailles, donc, mais sans trahir l'histoire. Pour James Cameron, c'est une forme de respect. Pour ce qui est de l'histoire du Titanic à proprement parler, on n'aurait pas pu inventer mieux. Elle est digne d'un grand roman qui se serait réellement produit. Les gens étaient si vivants, si gais. Imaginez les émotions qu'ils ont dû ressentir pendant les deux dernières heures avant le naufrage final. Ce film relate des faits historiques. Vous savez, c'est presque comme un conte religieux. Et c'est là où je trouve que Cameron est génial, c'est qu'il ne filme pas le Titanic. Il filme le sacré qui est dans ses personnages. Le film de James Cameron commence, à notre époque, par une plongée sur l'épave retrouvée à 3782 mètres sous la mer. C'est une équipe franco-américaine qui a localisé cette épave en 1985 à 650 km au sud-ouest de Terre-Neuve et le film s'achève sur le naufrage. À l'époque, en 1912, deux commissions d'enquête, anglaises et américaines, ont essayé d'établir les responsabilités et les causes de ce drame sans y parvenir complètement. Aujourd'hui, on sait presque tout, mais il aura fallu attendre 73 ans pour comprendre ce qui a envoyé par le fond ce paquebot réputé insubmersible. Dans le document qui va suivre, Bernard Nicolas explique les causes de ce drame en reprenant des extraits du film de Cameron, des documents d'époque et le témoignage de deux survivantes. Et dans la deuxième partie de ce document, nous allons replonger sur l'épave grâce à Sylvain Pascoe qui nous a ramené des images rares. De l'histoire du Titanic, on oublie trop souvent son lieu de naissance. S'il a été construit en Irlande, le Titanic est avant tout un bateau anglais. L'orgueilleuse Angleterre de 1900, l'atelier du monde qui règne sur les mers du globe. Et quand l'Allemagne baptise en 1903 le Kaiser Wilhelm, un paquebot de 230 mètres, Bruce Ismay, qui dirige la White Star Line, décide de faire plus grand et plus beau. Il lance alors la construction de l'Olympique, du Titanic et du Gigantique. Après le naufrage, certains s'interrogeront sur la précipitation avec laquelle ces bateaux ont été fabriqués. On a reconnu pendant les commissions d'enquête que pour l'époque, on ne pouvait guère faire mieux. Maintenant, c'est vrai que le métal, l'acier de l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui, que l'acier est très sensible aux différences de température. Vous avez des rails d'acier qui se dilatent en été ou qui cassent en hiver par grand froid. Ça a pu jouer. On a prétendu qu'il y avait une explosion. On a retrouvé une brèche sur la coque. Malheureusement, si on peut dire, la brèche est beaucoup trop au-dessus de la ligne de flottaison pour avoir joué un rôle quelconque dans le naufrage. Enfin, vous avez sans arrêt des gens qui relancent le débat, et souvent avec succès. Alors que le Titanic est en chantier à Belfast, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Arctique, une énorme masse de glace se détache. Un iceberg est né.
C'est cet iceberg qui, quelques années plus tard, déchirera la coque du Titanic. Pourtant, ce soir du 14 avril 1912, la présence de glace a été signalée au Titanic par d'autres bateaux. Le message le plus important qu'indiquait la présence de glace sur l'avant du Titanic n'a pas été transmis à la passerelle. Et ça, c'est une des causes déterminantes. Si ce message avait été transmis, il aurait changé de route, réduit sa vitesse. Enfin, ça aurait certainement évité l'accident. Les gens à cette heure étaient au lit et ne voulaient pas croire que le Titanic avait heurté un iceberg. Mon père est monté sur le pont pour voir ce qui se passait. Et il s'est dit, oh, ce n'est rien, il a juste touché un iceberg. Et il est rentré. Au second choc, il est ressorti et quand il est revenu, il nous a dit, habillez-vous. Alors ma mère et moi, nous nous sommes habillés et on est allés sur le pont. D'où nous étions à tribord, on ne pouvait pas voir l'iceberg. Les superstructures du Titanic étaient trop hautes. Quand mon père est revenu, il nous a dit qu'on allait mettre les canots à la mer, que c'était juste par précaution et que les officiers lui avaient affirmé que tout le monde serait revenu pour le petit déjeuner. Les marins ont reçu l'ordre de descendre les canots de sauvetage avec les femmes et les enfants d'abord. Mon père nous a accompagnés jusqu'au canot et on a embarqué. Et là, un homme a essayé de sauter dans notre canot. Alors l'officier lui a dit, ça ne me ferait rien du tout de vous tuer, il a dit. Vous auriez pu surcharger ce bateau rempli de femmes et d'enfants. L'eau est glacée, il n'y a pas assez de canots pour tout le monde. La moitié des gens vont mourir. Le bateau s'enfonce par l'avant. Dans la panique, chacun cherche une chaloupe. Les premières embarcations sont parties à moitié vide, voire même aux trois quarts vide. La première est partie avec 12 personnes, alors que l'on contenait 70. Et puis, il semble douteux qu'on ait pu mettre davantage d'embarcations à la mer. D'ailleurs, le Titanic a eu de la chance, il coulait droit. Et on a pu mettre les embarcations à bord des deux côtés, bâbord et tribord. Et la mer était très très calme. Il n'y avait pas le risque de voir des lames fracasser les embarcations contre la coque. Si on avait eu davantage, il en aurait fallu plus du double. Il est douteux qu'on aurait pu mettre ces embarcations à l'eau, peut-être deux ou quatre de plus au maximum, et ça n'aurait pas sauvé grand monde. Enfin, 200 ou 300 personnes de plus, ça aurait déjà été ça. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions, c'est rare qu'on puisse mettre toutes les embarcations à la mer. Ce qui fait que les constructeurs, les navires, les marins, les armateurs préfèrent jouer de la prévention, éviter à tout prix les accidents. En tout cas, les icebergs n'étaient pas prioritaires, c'est rarissime. C'est le seul bateau qui est coulé contre un iceberg. Sur la poupe, ceux qui se retrouvent prisonniers du Titanic, qui penchent de plus en plus, tentent de s'accrocher tout en se préparant à mourir. Plus bas, les passagers de troisième classe sont coincés. Troisième classe était beaucoup plus nombreux que les secondes et les premières. Ils se trouvaient placés évidemment dans les fonds, donc ils n'avaient plus de chemin à parcourir. Et par ailleurs, dans tous les bateaux, mais même aujourd'hui, il y a des locaux qui sont interdits aux passagers, notamment les locaux de l'équipage, les machines, etc. Et c'est vrai qu'on peut tout d'un coup se heurter à des barrières. Alors il est très possible que les troisième classes notamment aient été embarquées, pris leurs cabines, leurs installations, et au moment de l'évacuation, ils ne savaient pas tellement bien où se diriger. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs maintenant et à l'heure. Mon père nous a aidés à embarquer, ma mère et moi. Pour lui, il n'a rien tenté. Et jusqu'à ce que notre bateau soit plein, il a aidé les femmes et les enfants. À la fin, on nous a descendus. Ça m'a semblé horriblement long, jusqu'à la mer. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était penché au bastingage. Il m'a dit, sois sage, donne la main à maman. Je me suis assise à côté de ma mère et c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Et il n'y avait plus de mer. Et je vis la cité sage et ils seront tous. We had to be about a half a mile away. On s'est éloigné de 800 mètres et on voyait le bateau s'enfoncer lentement et les lumières disparaître. Ça lui a pris 2 heures et demie pour couler.
Beaucoup d'hommes se jetaient à la mer et ils lançaient toutes les chaises, tout ce qui pouvait flotter pour s'y agripper en attendant que les canots les repêchent. La panique a commencé après le départ du dernier canot. On entendait les gens se ruer sur le pont et hurler. Bien sûr, quand vous sortez de votre cabine ou d'ailleurs, que vous cherchez un canot et qu'on vous dit qu'il n'y en a plus, qu'ils sont tous partis, bien sûr, la panique vous gagne. On les entendait très bien. Sur le pont, un officier s'approche d'une femme. Madame, prenez place à bord d'une chaloupe. Monsieur, je reste avec mon mari. L'officier se tourne alors vers le mari. Montez avec votre épouse. Non merci, répond l'homme. Je ne vaux pas mieux qu'un autre. Ida et Isidore Strauss, propriétaires de grands magasins aux États-Unis, s'éloignent. Ils ont décidé de mourir ensemble. Plus loin, un homme vêtu d'un smoking et coiffé d'un haut de forme refuse le gilet de sauvetage que lui tend un marin. Le milliardaire Benjamin Guggenheim a voulu rester digne jusque dans la mort. Les troisièmes classes ne comprennent pas pourquoi on veut les séparer. Certains refusent. Ainsi, les Goodwin et leurs cinq enfants vont s'agenouiller et prier en attendant la fin. Une chaloupe est mise à l'eau. Soudain, un homme s'y précipite. C'est Bruce Ismay, le propriétaire du Titanic. Bruce Ismay, qui est le directeur de la compagnie White Star, a eu un moment de lâcheté, de faiblesse. Il s'est embarqué in extremis dans une embarcation, alors qu'il y avait encore des centaines d'enfants et de femmes qui se trouvaient à bord. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Ouais, personne ne lui a pardonné, je crois. Jamais personne. Il est mort dans sa villa, dans sa propriété d'Irlande, mais dans un isolement à peu près total. Trois bateaux se trouvaient à proximité, ont convergé vers le lieu du désastre, mais ont été gênés par des bancs de glace et par des icebergs. Et finalement, c'est le Carpathia qui est arrivé le plus rapidement possible et qui a pu recueillir les passagers des embarcations. Le lendemain du drame, l'orgueil encore ou l'incrédulité pousse les journalistes anglais à écrire que le Titanic a pu être secouru à temps et ses passagers sauvés. Message du télégraphiste, faisons route lentement vers Halifax, pratiquement insubmersible, ne vous inquiétez pas. Tous les passagers sont sains et saufs. Secourus par le Carpathia et le Parisien, tous les passagers du Titanic ont été sauvés. Les Américains, eux, mesurent très vite l'ampleur de la catastrophe. Le Titanic a bien coulé. On compte 1500 morts et à peine 700 rescapés. L'émotion submerge alors le monde entier. Ça a tellement choqué le monde et la conscience, ça a tellement perturbé les gens dans leur certitude que de toute façon, quelque chose comme ça ne pouvait pas arriver, qu'évidemment, tout le monde s'est retourné en disant comment est-ce qu'on a pu laisser faire quelque chose comme ça. Comment on peut construire un bateau en mettant des chaloupes dessus, il n'y a pas assez de chaloupes pour tout le monde. On fait des portes étanches, elles ne vont pas jusqu'en haut. Alors, il y avait quand même des aberrations. Les gens étaient complètement choqués par tant de suffisance, finalement, dans la technologie. La presse s'est déchaînée. On en parle rarement. Mais la presse de 1912 s'est déchaînée. Il y avait des photographes qui ont essayé de monter, de prendre d'assaut le Carpathia quand il est rentré dans New York, pour vraiment avoir les photos des survivants. Et tout est parti très, très fort à partir de ce moment-là. Alors que les rescapés répondent aux journalistes américains, le siège de la White Star Line à New York est envahi. Les familles viennent aux nouvelles. La confusion est totale. Les listes des gens sains et saufs sont sans cesse modifiées. À Londres, les familles d'émigrants comprennent enfin qu'ils ne reverront plus les leurs. Ils savent aussi qu'on leur a menti que ce paquebot dont l'Angleterre était si fière n'était pas insubmersible.
le meilleur équipage de l'époque, finit par croire qu'il est insubmersible. Et être insubmersible pour un homme de mer, c'est le plus gros poisson d'avril que la mer n'ait jamais gobé. C'est extraordinaire de faire croire ça aux gens. Le Titanic, c'est le premier mensonge planétaire. Tous les gens de l'époque pensaient qu'ils étaient insubmersibles. On sait que ce mot, c'est parce qu'en fait, l'ingénieur Andrews, quand il a présenté ses plans, il a terminé l'exposé en disant « on est pratiquement insubmersible ». Trois jours plus tard, 300 corps sont retrouvés dérivants près du lieu du naufrage. 200 d'entre eux, ceux qui sont identifiables, sont inhumés ici, au cimetière d'Halifax. Seules les premières classes auront droit à un cercueil. On interdit à Bruce Ismay de quitter les États-Unis. Une commission d'enquête souhaite entendre ses explications. On cherchait un coupable, on l'a eu, c'était Bruce Ismay. Parce que ça arrangeait tout le monde et que finalement, il symbolisait, il cristallisait tout autour de lui. C'était à la fois celui qui avait commandé le bateau, qui en était le propriétaire, et on a laissé croire probablement que c'est lui qui avait poussé pour que le bateau arrive le plus vite à New York. Donc c'était le coupable parfait. En plus, il a quitté le bateau avec les chaloupes. C'était le coupable idéal. Les opérateurs radio rescapés doivent expliquer pourquoi ils ont négligé les messages signalant la présence de glace sur la route du Titanic. Et notamment celui de 23h, 40 minutes avant la collision avec l'iceberg. Alors que plusieurs bateaux avaient même précisé qu'ils avaient préféré stopper la navigation de nuit dans les packs de glace devenant dangereuse. Il y a une procédure qui a été considérée comme vicieuse, c'est de maintenir de nuit la vitesse du bateau dans une zone de glace, comme on disait, s'il n'y avait pas de brume. Alors, il est probable que s'il avait pris une voie, sa vitesse avait été réduite, il aurait pu éviter l'iceberg et plus facilement l'éviter sur la gauche. Des témoins affirmeront aussi avoir aperçu un autre bateau tout près du Titanic. Il y aurait eu un bateau, les officiers l'auraient vu, relativement près, tout feu éteint, qui aurait pu évidemment porter assistance, et qui, d'après ce qu'on comprend, n'aurait pas saisi l'ampleur de la catastrophe. Le capitaine de ce bateau fantôme ne s'est jamais fait connaître. Les enquêteurs relèveront aussi un des points faibles du Titanic, la barre. Des essais réalisés sur l'Olympique, son sister ship, avait révélé le temps très long de réaction du bateau, 35 secondes au moins, une faiblesse qui sera fatale au Titanic. Le Titanic coulera en 2h40. Depuis 86 ans, on s'interroge sur la déchirure de la coque du paquebot. Depuis peu, on sait exactement ce qui s'est passé. Coulant, a pris beaucoup de vitesse, est arrivé sur le fond, on estime entre 60 et 80 km/h, et a creusé un sillon qui a enterré la coque de 14 mètres. Donc en fait, on ne savait pas, on ne voyait pas la brèche, parce que la brèche était sous le sable, sous le sillon. Donc l'été 96, il y a eu un scientifique américain qui a monté sur le Nautil un sondeur qui permet en quelque sorte de visualiser sous le sédiment. On a fait une espèce de scanner et en fait ce scientifique a trouvé les points d'impact de l'iceberg, il y en a 5 à peu près, qui ont creusé la coque comme ça, donc il y a 5 trous bien répartis, c'est-à-dire entre chaque compartiment étanche. L'épave du Titanic a été retrouvée en 1985 et sans cesse revisitée depuis.
Le Nautile, le sous-marin de poche d'Ifremer, équipé de caméras et de bras articulés, a participé à plusieurs expéditions. Le pilote, le copilote et l'observateur ou le passager embarquent. On ferme le panneau supérieur et on est à ce moment-là protégé par une sphère parfaite en titane d'environ 14 cm d'épaisseur. Donc on est coupé du monde. Et c'est le départ lesté. Le Nautile descend par gravité parce qu'il est lourd et on descend pendant 1h40 dans un noir et dans un silence absolu. Environ à 200 mètres du fond, on largue ce qu'on appelle les lestes de descente. Donc on largue ces deux lestes pour se stabiliser et on fait une pesée fine. Et on arrive après au moteur, donc de 100 mètres au-dessus du fond jusqu'à l'épave. Et là, on utilise l'énergie pour se déplacer à environ 2-3 km heure et pour travailler, ramasser des objets, faire des photos, faire de la vidéo. L'épave du Titanic est, en dehors de toute considération, extrêmement belle. Ça ressemble à rien. C'est une œuvre d'art posée au fond des mers. Quand on arrive là, on est simplement un peu abasourdi par tant de grâce, finalement. En plus, avec le sous-marin, on a un effet déformant, c'est-à-dire qu'on voit le bateau quasiment dans son ensemble. C'est très surprenant. L'épave du Titanic, rongée par les bactéries, est de plus en plus fragile. Il est donc dangereux de l'approcher de trop près. Le vrai danger, c'est qu'on peut rester coincé sur une épave. Quand vous êtes dans le Nautile, on voit à travers un hublot qui fait 10 cm. Le pilote voit à travers un hublot qui fait 10 cm. Donc il ne voit pas derrière, il ne voit pas sur les côtés. Et il suffit qu'il y ait un petit filin qui se coince sur le Nautile est solidaire de l'épave, et ce n'est pas les petits moteurs qui servent à se déplacer qui vont permettre de l'arracher. Donc le vrai danger est là. Le Titanic s'est cassé en deux à la surface, au niveau des deux salles à manger de première classe et de seconde classe. C'est cassé en deux, l'avant est parti, l'arrière, comme on le voit très bien dans le film de James Cameron, est resté en surface et après est descendu. Sur le fond, il y a l'avant et l'arrière qui sont à 800 mètres l'un de l'autre. Et au milieu, il y a un énorme champ de débris, c'est-à-dire que les objets sont tombés de la surface tout doucement et sont venus se poser sur du sable, du sédiment dur. Donc, entre ces deux partie de l'épave, vous savez, cet énorme champ de débris, et tous les objets qui ont été ramassés, c'est-à-dire maintenant il y en a, je crois, 5000, ont été ramassés, posés sur le fond, ça n'a pas été pris dans l'épave, on n'a pas découpé l'épave, c'est des objets qui sont, je dirais, simplement posés, comme on le voit très bien d'ailleurs dans les premières images du film. Pour les hommes qui ont pu toucher ces objets remontés à la surface, comme ce lavabo de première classe, ou un sac de cuir étonnamment conservé, toujours la même émotion. Ils ont pensé au marin qui a actionné ce donneur d'ordre quelques secondes avant le choc avec l'iceberg. Ils ont revu ce condamné au naufrage allumer sa dernière cigarette à la fin d'un repas copieux servi en première classe dans des assiettes de porcelaine. Tous ces objets revenus à l'air libre ne sont pas pour autant sauvés. C'est à ce moment-là que sont intervenus les ingénieurs d'EDF. On pouvait penser que dans ces conditions très particulières, grande profondeur, pas de lumière, donc pas de réaction photochimique, basse température, 4 degrés Celsius, on pouvait penser que les dégradations seraient très lentes, voire même inexistantes. Or, ce n'est pas le cas. Tous les matériaux qui ont été remontés présentaient à l'examen de graves problèmes. Les chlorures de l'eau de mer pénètrent très profondément dans la matière. Il faut les extraire, ce sont des processus très lents. Cet angelot qui ornait la grande descente des premières classes a bénéficié d'un traitement de faveur. Pour les métaux, les ingénieurs d'EDF ont utilisé l'électrolyse, le courant électrique effaçant peu à peu les dégradations. Machine à remonter le temps pour des objets définitivement préservés.
5000 objets du Titanic sont ainsi passés entre les mains expertes de ces guérisseurs qui, par l'électrophorèse, ont également réussi à préserver papier et cuir. Nul ne sait à qui appartenaient ces bijoux retrouvés par 3800 mètres de fond. Mais tous ces objets restaurés seront bientôt les seuls témoins du drame. De nombreux rescapés sont morts et l'épave du Titanic devrait elle aussi se désagréger. Cette image troublante de ce qui reste du bateau de légende sera alors un document essentiel pour ne pas oublier. On pense, raisonnablement, en tout cas on a vu l'évolution entre les campagnes de 87 et 96, que petit à petit il y a des cloisons qui sont tombées, que ça s'enfonce un peu partout. Il semble logique que vu le poids des superstructures, d'ici en effet quelques décennies, 30-40 ans, il va s'affaisser vraiment. C'est-à-dire retomber un peu sur lui-même. Il semble raisonnable de dire qu'en effet, peut-être dans 100 ans, tout sera empilé comme une millefeuille. Ce ne serait pas du tout impossible. D'une époque à l'autre, si les techniques de tournage évoluent, l'histoire reste la même. Ainsi, en 1953, dans le film A Night to Remember, tout débute par la fête populaire pour le départ du plus beau paquebot du monde. Une croisière sans problème sur une mer calme, la même barbe blanche pour un capitaine Smith entouré de milliardaires rivalisant d'élégance, la joie simple des émigrants vers le Nouveau Monde contrastant avec le luxe des premières classes. Et à 23h40, l'inévitable iceberg. Très vite, l'eau commence son travail de destruction. Les soutiers sont les premières victimes. Puis, c'est le sauve-qui-peut sur ce bateau que chacun pensait insubmersible. Enfin, la mort lente de ceux qui n'ont pas trouvé place sur les chaloupes. Des canots qui ne reviendront pas repêcher les naufragés qui mourront en quelques minutes dans l'eau glacée. Almighty God. Plus tard, à bord du Carpathia, les rescapés prieront pour ceux qui viennent de partir. James Cameron le dit lui-même, il n'a pas voulu réécrire l'histoire du Titanic. De 1912 à 1998, du film Super 8 sans trucage à la superproduction avec effets spéciaux, les metteurs en scène ont simplement voulu raconter 4 jours de la vie, puis la mort de ces hommes, femmes et enfants, riches ou pauvres, héroïques ou lâches, embarqués sur un bateau dont on disait que Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Pour certains, le Titanic est le symbole d'une époque, celle de l'argent qui fait naître des milliardaires et rêver ceux qui n'ont rien. 1912, le début du XXe siècle où l'Amérique est le centre du monde, un monde où l'homme plein de certitudes et d'orgueil n'a foi qu'en la science et croit, hélas, que le progrès lui permettra de tout maîtriser, même les éléments. La moitié des gens vont mourir. Pour l'amour du ciel, il y a des femmes et des enfants ici. Laissez-nous sortir, donnez-nous une chance. Dieu tout-puissant. Mais comment expliquer le succès planétaire du film de James Cameron? Comment justifier l'émotion provoquée par une histoire dont chacun connaît la fin? Il n'y a peut-être pas d'explication. À moins de considérer que depuis 1912, rien n'a changé et que Cameron n'a pas filmé un paquebot, mais un miroir, notre miroir.
Voilà, nous allons terminer cette première grande partie de l'émission avec quelques questions posées à Sylvain Pascaux, qui a plongé trois fois sur les paves et qui sans doute y retournera. Puisqu'après la deuxième pause publicitaire, nous allons diffuser avec l'autorisation de James Cameron la totalité de son making-of, c'est-à-dire le film du film, l'envers du décor du film Le Titanic, qui va durer à peu près 22 minutes. Mais après, la deuxième pause publicitaire. Alors d'abord, les quelques réponses qui nous restent à apporter à quelques questions que vous nous avez posées, nombreuses par l'intermédiaire du Minitel ou d'Internet. Alors première question, ils savent qu'il y a des icebergs et ils foncent. Pourquoi ? Il est 11h du soir, le radio du Titanic était en train d'envoyer des messages personnels des passagers de première classe essentiellement, et il n'a pas reçu le message du Californien qui lui indique « vous faites route droit sur un iceberg ». Alors s'ils avaient percuté de plein fouet l'iceberg, est-ce que le Titanic aurait survécu ? On pense que le Titanic s'en serait bien sorti parce qu'il était très bien construit, il avait une double coque, des cloisons étanches, et on pense qu'il y aurait eu un choc très violent, mais que ça aurait probablement noyé les deux premiers compartiments et qu'il aurait pu attendre des secours ou se dérouter vers Halifax. Alors si le matelot qui a vu au dernier moment l'iceberg avait des jumelles ? Vous savez, il faisait nuit noire et il faisait très beau temps, ce qui est très rare à cette époque de l'année. Et en fait, les guetteurs avaient l'habitude de repérer les icebergs avec l'écume qui était formée par la mer autour, ce qui leur permet de les voir de loin. Et dans ce cas-là, tout s'est confondu dans le paysage. On peut dire en quelque sorte que le naufrage est dû aussi à la loi des emmerdements maximum. Ah, c'est une série de petits événements qui, mis bout à bout, en ont fait que ce bateau est allé vers son destin et tout lui a poussé. Deux questions encore, Sylvain. Est-ce qu'on peut renflouer le Titanic ? Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est impossible. Il faudrait construire des nouveaux sous-marins, des bateaux en surface d'assistance énormes. C'est impossible. Est-ce que vous avez participé au repêchage de ces objets qui se trouvent sur cette table, qui sont des objets authentiques du Titanic, retrouvés au fond de la mer ? C'était en 1987 avec l'Ifremer, première campagne française. Nous avons été contractés pour remonter 1800 objets du fond. Alors ce qu'il y a de remarquable, grâce à la technique d'EDF qu'on a vue dans le document, c'est la manière dont on a récupéré ces objets. Et pour faire la comparaison, on nous a donné une fourchette qui est mangée par les bactéries. C'est-à-dire que tous ces objets, s'ils n'avaient pas été traités, auraient disparu. Regardez cette louche, regardez surtout cette brosse qu'on a vue d'ailleurs dans le document au fond de la mer, ces assiettes et puis surtout cette poudre réasséchée, cette théière, ce porte-monnaie pratiquement récupéré à l'identique. Et évidemment la reproduction de l'angelot qui est une des pièces centrales de l'escalier central du Titanic. Voilà une dernière réponse à une question que beaucoup d'entre vous me posent. C'est l'authenticité du collier porté par Kate Winslet Rose Dawson dans le film. C'est un diamant qui n'existe pas, mais que les joailliers britanniques ont décidé de reconstituer en quelque sorte avec un saphir de 165 carats qui sera vendu aux enchères à Los Angeles le 21 mars prochain à l'occasion d'une fête pour la fondation de la princesse de Galles. Alors, à qui appartient l'épave aujourd'hui du Titanic ? Alors, en droit maritime, parce que le Titanic est dans les eaux internationales, en fait, il appartient un peu à tout le monde. Mais disons qu'au niveau du droit américain, il appartient à une société qui s'appelle RMS Titanic et qui a eu le droit de plonger sur l'épave et de ramener des objets et de les exposer. Alors, 705 passagers ont survécu au naufrage. Il en reste 6 encore vivants, dont un Français, on peut le dire, Michel Navratil. En ce qui concerne la survie, combien de temps peut-on résister dans l'eau ? Je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites, ça dépend évidemment de la morphologie et de la forme physique des gens, dans ces eaux-là... De l'eau entre 0 et 4 degrés. Oui, bien sûr. Dans ces eaux-là, c'est au-delà de 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. Et quand vous êtes descendu au fond, quelle était la température ? La température au fond descend jusqu'à 1 degré. 1 degré. Température de l'eau, et dans le sous-marin, ça descend jusqu'à 8 degrés. Bien. Cette émission sur le Titanic est terminée. J'espère que nous avons répondu à la plupart des questions que vous vous êtes posées. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir.